Salut tout le monde. Alors, on est lundi 4 septembre. Je suis encore en pyjama, enfin, je suis en short et en débardeur. Donc, vous voyez, j'ai toujours ma méga belle tenue de scratchouille que je pourrais enlever que ben, le 9 octobre. Donc, je recommence mes vlogs de semaine. Donc ça va mieux au niveau des bras. J'ai été chercher voir le chirurgien fin août. Donc ils m'ont coupé les petits fils qui dépassaient parce que je savais même pas mais j'avais des fils. Ils m'ont nettoyé ben, parce que ben, moi je peux pas. Donc ils m'ont enlevé. Alors ils ont eu un mal de chien, les deux infirmières à nettoyer toute la colle. Parce que j'avais ben, des grands pansements grands comme ça, quoi, de long des deux bras, mais la colle méga persistante. Donc je peux recommencer ben, à faire des douches, mais entières, parce que j'étais limitée, j'avais pas le droit de mouiller mes plaies. Donc c'est la première chose que j'ai fait d'ailleurs en rentrant. Ensuite, bon, les cicatrices sont belles. Alors j'ai encore des soins infirmiers, mais après il m'a dit. Il m'a dit que c'est lui qui allait voir, enfin c'est pas lui qui allait voir, c'est aux infirmières de décider quand ça s'arrêterait. Parce qu'en fait j'ai plus de pansements, j'ai encore des petits, des espèces de mini pansements, mais c'est cette fois c'est ça colle sans coller, c'est des espèces de pansements en mousse. Et je vais vous montrer, je vais en chercher un. Alors, vous voyez, c'est ça. Ça. Je ne sais pas si vous voyez à l'envers. En fait, c'est tout petit. Moi, il m'en faut 4 en fait. Donc, on coupe un en 4. J'en mets un dans le creux du coude. Parce que c'est sensible, puisque ben, la pliure du bras. Et un juste en dessous, là. Donc, pareil sur l'autre bras. Donc, en fait, c'est les deux parties. Mais c'est pas très important. C'est les deux parties les plus sensibles qu'il m'a dit encore. Il faut encore protéger un petit peu. Mais il m'a dit, au final, c'est les infirmières qui vont décider quand les soins s'arrêtent. Donc je revois l'infirmière aujourd'hui. Alors, comme je lui ai dit, s'il y a que ça à faire, franchement, ma fille peut le faire. Hein. C'est pas compliqué. Donc lui je le revois le 5 octobre. Donc évitez de porter du poids toujours. C'est ça qui m'embête le plus quoi. Bon, j'ai beaucoup de mal à lever mes bras en l'air. Donc il m'a dit que j'aurais sûrement beaucoup de séances de kiné à faire au niveau des bras. Parce que bon ben ils ont quand même travaillé sur les muscles. Sinon, à part ça, ben non, super sympa. Ouais, il peut me revoir début octobre. Et puis, ben, laisser le restant des plaies à l'air. Mais bon, ben, à l'air, c'est un gros mot parce qu'en final, ils sont pas à l'air puisque j'ai le gilet. Mais sûrement, après, une fois que j'ai enlevé le gilet, de toute façon, au bout du 9 octobre, je ne porte plus le gilet puisque c'était 2 mois d'affilée. Donc là, les plaies seront à l'air libre. Je serai soulagée, j'ai hâte parce que c'est chiant. Mais bon, on peut pas avoir, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, faut pas regarder ma tête parce que ben, j'ai même pas été chez le coiffeur. Faut aller chez le coiffeur, mais je voulais y aller ce mois-ci. Je voulais me faire une teinture, me couper les cheveux et tout. Au final, je pense que je vais attendre le mois prochain que j'enlève ça là. Pour me sentir vraiment bien. Donc comme je vous ai dit, on est lundi 4 septembre. Mon fils vient de partir parce que lui il reprend aujourd'hui. Mon grand, puisqu'il est en études supérieures. Mon petit dernier reprend demain. Donc ben là, problème, parce que en temps normal, ben, vous savez que c'est un taxi qui vient chercher avec d'autres élèves.
puisque mon fils est handicapé. Donc, pas handicapé moteur, mais handicapé quand même. Et le hic, c'est que ben, moi, fin août, ouais, j'envoie un message au taxi qui vient le chercher habituellement pour leur dire ben, de ne pas oublier que mon fils reprend l'école le 5 septembre. Et je reçois un message, c'était vraiment fin août. Je reçois un message du taxi alors qu'on était en communication, hein, parce qu'on s'envoyait régulièrement des SMS pour savoir s'ils avaient du retard, des trucs comme ça. Ils me disaient, bah non, on ne s'occupe plus de prendre les enfants cette année. Je dis, c'est quoi ce bordel? Et puis, donc je me suis un peu renseignée partout. Et en fait, c'est le conseil départemental qui s'occupe de ça. Mais sauf que moi, je n'étais pas au courant. Alors, c'est peut-être moi qui ai refait le dossier en début d'année dernière, mais je ne pense pas parce que je m'en souviendrai. Puisque moi, il est suivi par le CESAD. Donc, et apparemment, je ne suis pas la seule maman des enfants qui prennent le taxi avec lui, puisque apparemment, son copain, c'est le même problème. Donc, en fait, j'appelle le conseil départemental et on me dit comme ça que, eh ben, qu'il n'y a pas de dossier à son nom. Il n'y a pas eu de renouvellement de fait pour les taxis. Donc, la dame super gentille me dit comme ça, ben, faut faire un renouvellement. Donc, j'essaye par ordinateur, puisque tout se fait par ordinateur. Et au final, je la rappelle, je lui dis ça marche pas. Elle me dit, ben non, en fin de compte, il faut faire une redemande, puisque les renouvellements, il fallait les faire avant le 30 juin. Donc j'ai fait un renouvellement de demande. Et puis ben, maintenant, il faut attendre que ça passe en commission. Le seul petit problème, c'est que ben, faut qu'il aille à l'école demain. Donc heureusement que moi j'ai une voiture, parce que ben je vais l'emmener. Mais je veux dire, nous en tant que parents, on n'est pas responsables puisque j'estime que les taxis avaient juste à nous envoyer fin juin comme quoi le contrat n'était pas renouvelé s'ils avaient envoyé aux parents, puisqu'ils avaient tous les parents un SMS. Bonjour, c'est juste pour vous prévenir que nous ne reprenons pas vos enfants au mois de septembre. Moi, j'aurais fait les papiers puisque j'ai refait tous ces dossiers MDPH, puisque j'ai refait ces trois demandes d'MDPH. Pour l'école, donc c'est-à-dire son matériel informatique, son aide humaine à l'école, et je sais plus un autre truc. Donc j'ai refait ces trois demandes-là qui ont été accordées. Donc comme je dis, si j'avais su, j'aurais refait cette demande-là. Au final, ouais, on n'était pas au courant. Donc ni les taxis nous envoyaient un SMS pour nous dire qu'ils renouvelaient pas la demande. Ni le conseil départemental nous a envoyé, je ne sais pas, ils auraient pu nous envoyer une petite lettre ou un petit truc comme quoi, pensez à renouveler votre demande de transport scolaire pour la nouvelle année, quoi. Donc, ben, il n'y a pas que moi qui me retrouve dans la mouise. Donc, il y a un de ses copains ben, qui ne peut pas aller à l'école puisque il n'y a personne pour l'emmener. Donc moi je peux pas le prendre parce qu'il habite pas là. Donc c'est le problème. Donc moi j'espère que ça va être rapide et que ça va passer vite en commission. Donc la dame du conseil départemental a été super gentille. Donc mais il n'y a plus qu'à attendre quoi. Donc en attendant, ben il faut que je l'emmène tous les jours. Alors c'est pas dans ma ville. Donc oui c'est qu'à 20 minutes d'ici, faut prendre la cadeau et tout. Mais 20 minutes aller, 20 minutes retour. Je fatigue beaucoup avec mes bras à conduire, donc ça va être compliqué. Mais bon, bah, pas le choix, c'est ça, où il va pas à l'école, il est hors de question qu'il va pas à l'école. Donc voilà la méga bonne nouvelle de la rentrée. Donc, à part ça, ben, ma fille passe en commission pour un appartement là aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donne. Et puis ben moi je fais pas grand chose. Si il faut que j'aille faire mes courses dans la semaine. Donc ben, je suis obligée d'avoir quelqu'un avec moi en permanence puisque j'ai le droit de soulever aucune charge. Donc c'est pas très pratique quand il faut faire ses courses pour les packs de lait, pour tout quoi. Donc heureusement que ma fille est là pour m'aider. Puisque mon fils est à l'école et puis bah, les deux garçons sont à l'école. Non, bah, c'est tout. Sinon, je vais reprendre bah, mes vlogs de semaine.
Puis mes hauls que je fais habituellement. Donc je vais peut-être garder cette tête-là pendant encore un mois, puisque j'ai bien réfléchi. Au final, j'irai peut-être au coiffeur que le mois prochain, parce que franchement, étant donné que j'ai le gilet, que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, j'ai pas la motivation en fait. Mais bon, bah, ça guérit doucement. Donc, alors ici, si, pour revenir sur mes trucs, c'est encore. C'est comme endormi. C'est endormi sans être endormi. C'est compliqué à expliquer, mais je sens ma peau quand je fais ça. Mais à l'intérieur, c'est comme si c'était endormi. Je pense que c'est pour ça que j'ai des séances de kiné à faire après. Pour redonner ma souplesse à mes bras et pouvoir bouger mes bras comme je le faisais avant, quoi. Parce que bon, je peux l'élever en hauteur, mais je peux pas l'élever comme je faisais avant. Mais tout ça, ça se travaille. Donc aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose puisque on est lundi, c'est début de semaine. Et c'est à partir de demain que je bouge pour emmener mon fils. Donc je reprendrai sûrement dans la voiture demain matin pour le départ. Salut tout le monde! Alors, on est mercredi 13. J'ai pas commencé mon vlog lundi parce que j'ai pas eu le temps, j'étais fatiguée. Parce que le petit problème, c'est que, comme j'ai pu vous l'expliquer, j'emmène mon fils tous les matins. Donc, il est pas dans ma ville, au collège. Donc, il est à 20 minutes de route. Donc ça fait 20 minutes aller, 20 minutes retour. Je dois aller, bon, donc je le dépose le matin, je reviens. Donc ça fait déjà 40 minutes. Je vais le rechercher le soir et je reviens, ça fait 40 minutes. Donc ça fait 80 minutes de route par jour. Bon, moi je suis quelqu'un qui conduit, mais autour de chez moi. Je n'ai pas l'habitude de conduire en dehors de, bah, des petits bleds à côté de chez moi, quoi. Je n'ai pas l'habitude de faire de la route. Bon, alors me posez pas la question de savoir pourquoi j'ai le masque sur le nez, parce que c'est comme ça et puis pas autrement. Donc, par contre, je vais être obligée de le baisser parce que ça va être la buée sur mes lunettes. Et donc, depuis la rentrée des classes, je l'emmène tous les jours à l'école, puisqu'il n'a pas de taxi qui vient le chercher, puisqu'on devait faire le renouvellement des taxis, mais tous les parents qui ont des enfants handicapés et qui avaient des taxis l'année dernière, personne nous a informé que c'était à nous de faire le renouvellement. Alors je suis désolée de le dire, mais je suis pas censée savoir, puisque le premier renouvellement, la première demande, c'est pas moi qui l'a faite, puisque c'est le CESAD. Donc je suis pas censée savoir qu'on devait le faire. Et de toute façon, les anciens taxis, sachant qu'on était en contact, auraient pu nous laisser un SMS fin juin pour nous dire comme ça qu'ils renouvelaient pas que leur contrat n'était pas renouvelé pour emmener nos enfants à la rentrée de septembre. Ce qui n'a pas été fait. Donc on n'a ni reçu de SMS de la compagnie de taxi qui les emmenait, ni reçu de message ou quoi que ce soit, ou une lettre du conseil départemental qui s'occupe des renouvellements. Donc tous les parents, donc je crois qu'il y avait 4 ou 5 enfants qui prenaient le taxi, bah, tous les parents se sont fait avoir et puis aucun enfant n'a eu son renouvellement de taxi organisé. Donc moi, j'ai réussi à le savoir parce qu'une semaine avant la rentrée, j'ai envoyé un message au taxi pour leur dire, ben voilà. Je suis la maman d'un tel et puis mon fils commence telle date à telle heure. Et c'est là que les taxis m'ont envoyé non, nous on ne prend pas vos enfants cette année. Je dis c'est quoi ce bordel? Donc j'ai appelé le CESAD et tout, et puis ils m'ont dit demandez au conseil, appelez le conseil départemental, puisque eux ils doivent savoir. Et puis j'ai appelé le conseil départemental. Alors les dames super sympas, très très gentilles, m'ont dit comme ça, fallait faire un renouvellement. Elle me dit, tout se fait par ordinateur. Donc je fais tout. Elle me dit, mais normalement, vous aviez jusqu'au 30 juin. Je fais, ouais, mais le problème, c'est que nous, on n'était pas au courant.
Donc, puisque moi j'ai fait son renouvellement MDPH, c'est 3 renouvellements puisqu'il a une AVS, du matériel, et puis le fait, je sais plus quoi, il a un autre truc. Donc j'ai fait tout le renouvellement des 3. Donc comme je dis, j'étais pas. En plus, ça se fait par PC, donc c'est encore même plus facile que la MDPH, puisque la MDPH, il faut remplir des dossiers, faire visite médicale et tout, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc je dis, si j'avais su, je l'aurais fait, hein. J'étais pas à un dossier prêt, mais on n'était pas au courant. Donc tout est si bien que ben, moi j'ai fait le renouvellement une semaine avant la rentrée. Et puis après, ça marchait pas. Donc je rappelle la dame et puis je lui dis, ben, ça marche pas faire le renouvellement. Puis elle me dit, eh ben non, en fait, vous êtes obligé de recréer une demande, tout simplement parce que... Ah, il va falloir clignoter. Tout simplement parce que ben, la date est dépassée, que ben, c'est une nouvelle demande. Donc, ben, c'est ce que j'ai fait. Sauf que ben, le temps que la nouvelle demande passe en commission, donc, bon, ben, je sais que ça sera accepté, puisque ça a toujours été accepté, puisque comme c'est un enfant qui est suivi depuis qu'il est tout bébé, depuis qu'il est nourrisson, en fait, franchement, depuis... Depuis la maternité, il est suivi, il a toujours été suivi toute sa vie. Donc ça sera accepté, mais il faut que ça passe quand même en commission. Donc en attendant, eh ben, elle me dit, vous n'avez pas le choix, ben, si vous avez une voiture, c'est de l'emmener. Donc du bol que j'ai une bagnole, mais le problème c'est que ça me coûte une blinde en diesel, parce que moi je roule au diesel. Donc là on est le 13 du mois. Sachant qu'il a repris le 5 du mois. Oh putain, tout le monde passe par là parce que de l'autre côté c'est bouché. Sachant qu'il a repris le 5 du mois, on est le 13 du mois, j'ai déjà mis 100 euros d'essence. Donc vous imaginez, je fais l'aller 4 fois par jour. Donc je suis à plus de 100, ouais, je suis à 100 euros d'essence puisque hier on a dû remettre le plein puisque on n'avait déjà plus rien. Et donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous prendre ni la semaine dernière ni en début de semaine. Parce qu'il y a ça, il y a la fatigue, parce que moi j'ai pas l'habitude de conduire. Alors ouais, j'ai le permis depuis 27 ans. Mais depuis 97 j'ai le permis. Mais j'ai pas l'habitude de conduire autant. Après chacun fait comme il veut, mais moi je conduis aux alentours de chez moi pour aller chez ma sœur, mais je ferai pas des kilomètres. En fait, c'est depuis que j'ai failli être percutée en allant à Rennes voir mes tantes, j'ai failli mourir tout simplement, percutée par un camion qui a voulu rentrer comme ça, et puis on a pratiquement touché le rail de sécurité, et puis bah, moins de deux, on était plus là, quoi. Donc depuis, ouais, je déteste prendre les quatre voies. Donc j'essaye de, pour emmener mon fils, de prendre, je fais tout un détour parce que je prends la quatre voies où il y a le moins de monde, parce que c'est un stress permanent pour moi. La preuve, hier matin quand je suis rentrée, à côté de chez moi, il y a eu un carton de 5 bagnoles qui se sont plafonnées juste à l'entrée de, comme moi, quand je rentre sur ma ville. Donc il y avait 3 voitures de flics et 5 voitures qui étaient abîmées, quoi. Donc le stress, la fatigue, je suis claquée. En plus, j'ai mes bras qui me... après, j'ai moins mal qu'avant, mais comme je conduis beaucoup... Donc ça me tire sur mes bras, qui viennent d'être opérés, enfin qui ont été opérés il y a un mois. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Je ne sors... il y a eu toutes les courses à faire aussi, donc ça a été une corvée. Donc ça a été chiant. Donc semaine de rentrée chiante, parce que semaine est compliquée, parce qu'entre le plein de courses et puis l'école à gérer et tout. Donc allez, bouge. Va te faire, moi je coupe par là parce que sinon je suis pas arrivée. Et toi tu veux couper par de côté. Donc l'école à gérer et tout ça, donc c'est compliqué. Donc là je vais à Action pour chercher de la colle pour mon voiture, parce que mon petit-fils a trouvé le moyen de... vous voyez l'espèce de... sur ma portière j'ai peut-être une petite espèce de je sais pas, c'est une petite boîte, en fait on peut mettre la main dedans, on peut mettre des pièces ou je sais pas quoi dedans,
Et lui, il a réussi à tirer sur le tissu de la portière. Il est en train de tout m'arracher. Donc, j'ai été obligée de mettre de la colle pour coller le tissu et puis remboîter. Heureusement, je peux déboîter le truc et le remboîter parce que c'est son nouveau truc, ça. Donc, voilà pour les news. Mon fils, lui, bon, ben, il est en études supérieures, donc ça se passe bien. Bon, nickel cette année. Tranquille. Enfin, tranquille. C'est-à-dire dans le sens où. C'est cool, il y a moins de monde dans sa classe, il a retrouvé ses potes et tout. Donc Aïe m'a fait un appartement, donc bon, elle va pas emménager tout de suite parce qu'on a été le visiter hier. Donc en fait c'est l'appartement qui est identique à celui qui est au ras de ma porte, qu'ils ont jamais voulu lui donner, qui est en travaux et qui n'ont jamais voulu lui donner. C'est exactement le même, mais dans un bâtiment beaucoup plus loin que chez moi. Donc je trouve ça complètement débile, mais bon, bah, c'est déjà bien qu'elle en a un. Donc tout le monde est content, elle est contente parce qu'elle va pouvoir avoir son chez-soi. Mes deux garçons sont contents parce que ça va faire un peu plus de calme à la maison. Et puis moi, ben, alors moi c'est mitigé parce que je suis contente parce que ben, je vais retrouver ma maison propre et rangée. Parce que là c'est le bordel. Et je suis triste en même temps parce que ben, ma fille sera. Bon, elle n'est pas à 50 km non plus, mais après, voilà, moi je suis quelqu'un de hyper, hyper proche de mes enfants. Et c'est surtout que j'aurais pu, c'est ce que je dis, et moi là, je me réveille, j'ai mes petits-enfants. Mon petit-fils dort dans ma chambre, donc ça fait près de 2 ans. Donc au début, ça va me faire bizarre, hein, très bizarre, c'est sûr. Mais bon, c'est juste une question d'habitude, hein. Il va falloir que je m'y fasse. Et mon petit-fils, quand je lui dis tu vas quitter mamie bientôt, tu vas avoir ta maison avec ta belle chambre et tout. Et puis à chaque fois, il me fait le nom de la tête et puis il fait l'imbécile pour qu'on change de sujet. Il n'aime pas qu'on en parle. Hein. Il a beau avoir 2 ans, il n'est pas débile, hein. Il comprend. Donc, mais bon, bah, tout le monde y trouve son compte et puis bah, faut bien qu'elle prenne son indépendance. Ça me rend juste un peu triste que les HLM ont fait tout un pataquès pour pas la mettre à côté de chez moi alors qu'il y avait exactement, mais quand je vous dis exactement le même appartement de libre, c'est exactement un point pour point identique. De vide, ils n'ont jamais voulu la mettre sur le même palier que moi. Alors déjà pour déménager, ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et puis c'est le même appart. Donc c'est pas comme s'il y avait une pièce de plus ou quoi que ce soit. Mais bon bah. Je n'insisterai pas, quoi. Mais ça aurait été, pour moi, ça aurait été la cerise sur le gâteau parce que, ben, je vous dis, mon petit-fils aurait pu juste traverser le palier pour venir me voir. Donc, je vous garantis que ben, je vais sûrement pleurer comme une madeleine quand ils vont partir. Donc, ici, ben, là, ça fait quelques jours qu'on a de la pluie. On a eu, la semaine dernière, on a des chaleurs, mais insupportables. Et là, eh ben, on a de l'appui depuis plusieurs jours. Donc, je suis arrivée à Action. Et puis, ben, je vous reprends juste après. D'accord. Salut, à tout de suite. Salut, me revoilà. Donc, ben, je suis partie à midi et quelques, je ne sais plus. Donc, au final, ce que je cherchais, je n'ai pas trouvé. Donc attendez parce que je regarde pourquoi côté de voiture. Donc j'étais à Action parce que je cherchais le Stitch, le personnage Stitch avec son bonnet de Noël. Le seul problème c'est que moi et ma fille la semaine dernière, même la semaine dernière, on l'a cherché dans les peluches. Donc aux premières actions, elle me dit. Elle me dit, non, c'est dans les jouets de Noël. Et ben, quand je suis arrivée, bien sûr. Elle me dit, on en a reçu, mais je sais pas s'il en reste. Et ben non, parce que nous, toute la semaine, on a cherché dans les jouets où il y a les pluches, puisqu'il y en avait avec des chapeaux de Noël. Donc on s'était dit, ça doit être là. Ben, quand je suis arrivée, il n'y en avait plus. Et donc, j'ai traversé toute la ville pour aller à l'autre action. Et eux, par contre, ils les ont pas eu du tout. Donc je suis un peu dégoûtée parce que c'était pour mon petit-fils et il adore Stitch et il aurait vraiment, ça
Il est vraiment cool qu'il a l'autre avec le bonnet de Noël. Mais le problème, c'est qu'ici, ben, on a beau avoir deux actions, on trouve jamais rien. Il y a des trucs qu'on n'en voit même pas la couleur. Ils sortent et on voit rien du tout. Donc, c'est un peu chiant, quoi, parce que... Donc, bah, tant pis, mon petit cœur n'aura pas son Stitch bonnet de Noël. Parce qu'on ne peut pas aller à Action tous les jours et que même s'ils en remettent, il faut vraiment tomber pile poil dessus. Et comme c'est rare qu'on tombe pile poil dessus, donc c'est un peu la... C'est un peu chiant, quoi. Donc, allez, camping-car, tu fais quoi? À gauche, à droite. Je sens qu'il va me bloquer, donc je vais aller plus vite que toi parce que tu vas me bloquer la sortie. Allez, prends par la 4 aussi. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée, quoi, parce que je voulais faire la surprise à ma fille pour lui le trouver, et puis bah, c'est sûr que qu'ils sont partis de bonne heure parce que... Allez, laisse-moi m'engager, toi, y va, là, t'as qu'à... Je vais laisser m'engager. Hein. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée parce que tous les autres on les a. Tous les autres on les a. Enfin, elle a pris, elle a même pris, comment elle s'appelle, le chien de La Belle et le Clochard, la version Halloween pour ma petite fille. C'est pour ça que. On n'aime pas faire de jaloux, donc on voulait prendre Stitch pour version Noël, quoi. Mais bon, bah, y a peu de chance qu'on l'a. Parce que même s'ils en remettent, ça va partir à une vitesse phénoménale. Donc malheureusement, bah, tant pis. Donc elle va se demander où je suis parce que j'étais partie. Normalement, j'étais censée partir juste aller chercher des colis à Locker, les boîtes Locker. Et au final, vas-y les clignotants, c'est fait pour les chiens. Puis il se rabat juste devant moi, lui. La distance de sécurité, il connaît pas, lui. Pas parce que vous avez des grosses bagnoles qu'il faut croire tout permis. Ouais, je suis un peu dégoûtée, mais bon, bah, on fait avec. Hein. Donc là, je vais rentrer. Elle me dire, alors, t'étais passé où? Dire, ben ouais, je cherchais ton truc partout, je l'ai pas trouvé, malheureusement. Donc, pas le choix. Donc bah voilà, après je vais rentrer, je finis ce que j'ai à faire. Je rentre, j'ai du pliage de linge à faire cet après-midi. Et puis après, bah, je vais profiter que les petits sont à la sieste parce que mon petit-fils, je ne sais pas, il est énervé depuis ce matin. Pourtant, il a bien dormi. Il s'est levé à 9h ou 9h30, je ne sais plus. Mais plus, en fait, j'ai remarqué que plus il se lève tard et plus il est de mauvais poil. Donc il va faire une petite sieste tantôt, ça va lui faire du bien. Et puis on va plier le linge parfois. Parce qu'il faut bien le plier. Parce que j'ai encore au moins 3 corbeilles. Parce que ma corbeille était vide hier, mais j'ai au moins 3 corbeilles à faire encore en lavage. Parce que je vous dis, hein, on a à peine lavé que. On a à peine vidé la corbeille qu'elle est à nouveau pleine. Donc on n'en termine pas. Bon, après ça va changer de note parce qu'après il n'y aura plus le linge de mes petits-enfants, il n'y aura plus le linge de ma fille. Il y aura beaucoup de choses qui vont... Bon, après je risque de m'ennuyer, ce que je crains le plus c'est de m'ennuyer. En fait parce que... Quoi du klaxon, feu rouge? Banane. En fait, ce qui me fait chier un peu, c'est que quand les deux grands vont être à l'école, tant que je ne peux pas retravailler avec mes bras, puisque j'ai pas encore la totalité de mes bras, je ne peux pas les lever en l'air, j'ai toujours pas le droit de soulever des poids. Donc, c'est un peu chiant, parce que après, je vais pouvoir retravailler, parce que ça va faire du bien. Mais voilà, après, comme moi je compte travailler de bonne heure le matin, de très bonne heure même. Mais il faut que j'attende aussi que mon fils, les taxis le prennent à l'école. Parce que tant qu'il n'y a pas de taxi, moi je ne peux pas travailler. Et puis après, quand
Quand je rentrerai, ben, il n'y aura personne à la maison. Moi, j'ai dit à ma fille, bah, c'est pas grave, je vais squatter chez toi, tu me paieras le café. Elle dit, oh oui, pas de souci. Je dis, bah, sinon, après, tu peux squatter chez moi aussi. Ou après, ce sera pas sans squatter chez moi. Par contre, je lui ai dit, ne fais pas le coup que de venir chez moi que quand ton copain n'est pas là. Parce que je ne veux pas être le bouchereau de service, quoi. J'adore ma fille, mais je ne veux pas la voir que quand elle se retrouve toute seule. Donc voilà pour la journée, pas très palpitante. Demain, je vais vous reprendre parce que demain, bah, ça va être école-maison. Je n'ai pas de rendez-vous cette semaine, donc je vais rester à la maison. Et puis vendredi, ça va être école-maison aussi. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de vous reprendre. Donc c'est... En ce moment, ça va être des petits vlogs de semaine, mais des rikiki, parce que j'ai pas grand-chose à vous dire, en fait. La semaine où il s'est passé le plus de choses, j'ai pas eu le temps de vous prendre, parce que j'étais fatiguée, que j'étais énervée, fatiguée, stressée. Donc voilà, mais bon, bah, l'essentiel, c'est que ça s'est un peu calmé, puis que ben, j'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Déjà, je suis contente que ma fille ait un appart, même si je suis triste en même temps, mais je suis contente. Bon, ben, je vous dis bye bye et puis à la prochaine.